tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel de magie concernant les passes appelées communément en français les sauts de coupe. Donc, je fais ce tuto pourquoi? Parce qu'on me l'a réclamé. J'avais fait une petite démo il y a 2 jours où j'ai eu pas mal de gens qui m'ont réclamé un tutoriel. Donc, je vous le fais. Par contre, je vous dis une chose, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. C'est un geste qui est très difficile à faire. Hein, c'est un des gestes les plus difficiles en manipulation. Il en existe plein d'autres, hein, difficiles, mais le saut de coupe, la classique passe, comme on dit, est assez difficile, donc il vous faudra beaucoup d'entraînement. Vous entraînez quand vous pouvez. Je tiens à dire une chose, c'est que moi, je ne le fais pas parfaitement du tout. Je suis très loin de bien le faire. Je suis à 2 semaines à peu près d'entraînement. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Vous avez même des tutos sur YouTube où vous avez vraiment des super bons tutos. Donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Moi, je ne serai pas le meilleur tuto, ça c'est sûr. Mais au moins, je pourrais vous montrer le mouvement, comment ça se passe, comment ça marche exactement, et après, ça vous travaille. Donc en gros, ça sert à quoi? C'est par exemple, une personne choisit une carte, genre la dame de pique. Ça permet de la faire remonter à vue sur le paquet ou en dessous le paquet. Donc là, je vous ai montré à vue. Mais par exemple, imaginons la personne choisit le valet de carreau. On remet les cartes ici. Et en faisant la passe, la carte se retrouve au-dessus. Donc je vais vous montrer comment ça se passe exactement pour le mouvement. Donc on se retrouve pour le tuto concernant le classic passe, le saut de coupe. Donc là, je vous apprends de la passe normale. Il existe plein d'autres passes. Le bluff pass, le turnover pass, il en existe plein, plein. Donc, comment ça se passe? Donc, vous faites choisir une carte par le spectateur. Donc, imaginons le valet de cœur. Il la remet au milieu du jeu. Donc, vous lui dites de la reposer sur ce paquet-là, la main gauche. Vous allez remettre les cartes par-dessus. Et vous allez faire un break avec le petit doigt. Mais vous allez pas faire un break, genre avec le petit doigt comme ça, sur le côté, comme ça. Vous allez bien le mettre en dessous le paquet, sur cette partie-là. Vous le rentrez bien. Et vous avez le majeur et l'auriculaire qui se posent sur le dessus du jeu comme ça. Vous avez l'index qui est posé ici et le pouce le long de la tranche et la paume. D'accord? Donc vous tenez votre jeu comme ça. Et le but, en fin de compte, ça va être quoi? Ça va être de faire passer, ça va être de faire basculer le jeu du dessus, là, vous voyez, de lever celui-ci et de le passer par en dessous. Je remets le valet de cœur. Donc le but, ça va être quoi? De faire basculer le paquet du dessus, comme ceci. De lever celui-ci et de placer en dessous comme ça. Donc ça, je vous le fais au ralenti, bien sûr, pour que vous voyez bien. D'accord? Donc en fin de compte, vous prenez et vous mettez celui du dessus en dessous comme ça. Donc il faut vous entraîner à faire ce mouvement-là. En fin de compte, c'est ce paquet-là, la main gauche, qui fait tout le travail. Parce que vous voyez, la main droite, elle va juste soulever comme ça et vous avez juste à placer. Donc il faut être très rapide en fin de compte de la main gauche. Le paquet du dessus, vous voyez, il faut qu'il se place très vite en dessous comme ça. Donc alors, vous placez votre petit doigt comme ça, les doigts comme ceci. Avec la main droite, vous allez placer l'index, le majeur et l'auriculaire sur le devant du jeu, comme ça. Vous allez tenir votre jeu comme ça. Le pouce, il va se mettre devant les deux paquets, comme ça. Vous allez cacher avec vos doigts, votre main droite ici, comme ça. Vous allez tenir. Et vous allez faire basculer le paquet du dessus. Donc, c'est ces deux doigts-là, en fin de compte, qui vont, avec le petit doigt ici, qui vont faire basculer, vous voyez, le jeu, comme ça. Donc on va faire basculer le jeu comme ça. En même temps, vous allez monter avec le petit doigt ici de la main droite le paquet ici comme ça. Ce qui vous laisse l'espace de rabattre toujours avec la même position de la main gauche en dessous le paquet ici. D'accord? Ça donne ça. Donc ça peut frotter. Vous voyez, des fois, les cartes frottent, c'est normal parce que on n'a pas l'habitude. Hein. Donc il faut faire ce mouvement-là, il faut vous entraîner à faire ce mouvement-là
le plus possible. En fin de compte, vous faites ça, vous levez, vous faites ça. En vue de devant, face comme ça donne ça. Ici, 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 comme ça. On est là, on met les doigts devant comme ça. On soulève et on passe en dessous comme ça. Voilà à peu près pour le geste principal comment ça se passe. Après, je vais vous donner deux, trois petites astuces pour que le geste soit moins. Donc là, j'espère que ça a été clair. Hein, vous voyez, c'est toujours le même mouvement en tout cas. On fait basculer le paquet du dessus, on soulève celui d'en dessous et on vient rabattre les cartes juste en dessous. Donc ça, c'est un mouvement à répéter le plus de fois possible pour vous entraîner à le faire. Et donc commencez doucement et après essayez d'aller un peu plus vite. Parce que le but, c'est quand même d'aller assez vite sans que ça se voie. D'accord? Donc voilà, ça c'était le mouvement de base pour la classique passe. Donc maintenant, je vais vous donner deux, trois petites astuces pour que le geste se voie moins. Si vous voyez, si je vous le fais comme ça, là, je suis en face de vous, par exemple, je vous le fais, vous allez voir le paquet qui bouge dessus. On voit. Là, si je vous le fais, là, si je vous le fais même vite, on voit que le paquet du dessus, il bouge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous mettre à droite, à gauche du spectateur. Il faut que votre spectateur soit un peu à droite. Donc, imaginons, moi, le spectateur, il est par ici, vers la caméra, là, vers là, vers mon doigt. Vous voyez, si je me place ici comme ça déjà, là je retourne le 9 de carreau pour que vous voyez, on voit beaucoup moins le mouvement. Donc pour l'angle, il ne faut pas que vous vous mettiez face au spectateur, il faut vous mettre un peu à gauche du spectateur. D'accord? Et on voit beaucoup moins le mouvement. Vous voyez, on voit pratiquement rien, quoi. Donc je remonte une dernière fois avec le 2 de pique par exemple. Vous voyez, ça remonte tout seul et on voit rien, il n'y a pas de bruit, c'est nickel. Donc vous avez ça. Il y a une autre chose aussi pour couvrir le mouvement. Si vous êtes face au spectateur, si vous n'avez pas trop le choix de le faire en face du spectateur, ça s'appelle le mouvement rock. Donc le rock, c'est quoi? C'est, en fin de compte, c'est un mouvement que vous allez faire vers le haut comme ça avec le poignet, les deux poignets comme ça. Et vous allez redescendre. Et donc en faisant ce mouvement-là, vous allez devoir faire la passe. Donc vous allez être comme ça, avec la prise comme je vous ai appris. Et au moment de lever le jeu comme ça, vous allez faire votre passe comme ça. Et au moment de redescendre, vous le remettez en dessous. Donc là, je vous l'ai fait au ralenti. Donc vous montez comme ça. Vous séparez ici. Et en redescendant, vous remettez le paquet en dessous. Donc là, c'est pas évident à vous le faire tout doucement. Donc vous êtes là, vous remontez. Au moment de descendre, vous faites votre passe. Vous voyez, et ça ne se voit pas, on ne voit pas le paquet passer en dessous, parce qu'il est retourné. Là, il est caché ici, vous voyez. Et au moment de redescendre, on couvre ici. Donc, je vais essayer de vous le faire à vitesse réelle. Donc l'as de pique, comme ça. On monte et on fait le mouvement, la passe ici. Ça, c'est bien à faire, franchement, parce que le mouvement, il est invisible, même de face. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à gauche du spectateur. Vous êtes bien placé, ça passe quand même. Donc on a l'as de pique ici. D'accord? On monte et au moment de redescendre, on fait sa passe. Donc il faut être bien synchro, ça aussi il faut bien s'entraîner. Hein, vous montez et vous faites votre passe. Là je crois pas qu'il est passé au-dessus, non il est passé en dessous. Non, même pas, j'ai raté. Le 8 de carreau. Vous montez, vous faites votre passe, il remonte. La dame de pique, vous montez, vous faites votre passe. Dame de pique. Bon, là, j'exagère le mouvement, vous voyez, mais vous le faites moins, comment dire, moins marqué que moi. Hein. Ça, c'est pour vous montrer. Hein. Vous êtes là, vous faites juste ça, hop, c'est bon. Là, j'ai foiré aussi. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Hein. Donc là, on va le faire quoi? Avec l'as de cœur. Vous montez comme ça. Et vous le faites tout en parlant, bien sûr. Vous pouvez le faire tout en parlant. Hein. Parce qu'après, à force, vous saurez le faire vraiment en regardant le spectateur ou en lui parlant. Hein. Vous le faites tout doucement, comme ça, discrètement. Ou alors, vous pouvez aussi bouger votre corps un peu.
C'est-à-dire vous êtes là, vous avez mis la carte au milieu et en bougeant un peu sur la gauche comme ça, vous pouvez faire votre passe. Hein, ça devient aussi invisible. Si vous êtes comme ça, tout en parlant, vous bougez un peu votre corps. Et dès que vous bougez un peu votre corps, vous pouvez faire votre passe. D'accord? Donc il y a plein de possibilités. Ce qui est important, c'est le mouvement à faire vraiment à la perfection. Et après, vous pourrez faire le rock comme ça, avancer le jeu comme ça, vous décaler un peu tourner et faire la passe. Ou, voilà. Donc vous mettez-vous bien aussi à gauche du spectateur, comme je vous ai dit. On voit beaucoup moins le mouvement de la passe. D'accord? Voilà. Moi, franchement, c'est un mouvement que j'aime bien faire, j'aime bien travailler. Ça me plaît, en plus, moi je suis patient, donc ça ne me dérange pas. Et puis je trouve ça très beau comme mouvement, même si c'est invisible. Donc voilà. Donc entraînez-vous, 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 lâchez pas. Parce que c'est dur au début, vous allez voir, c'est pas évident du tout. Mais après, on peut faire des petits miracles avec, je pense. Et puis je pense que dans quelques temps, bah, ça passera beaucoup mieux que là. Même si c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore ça, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et merci à vous de regarder mes vidéos. À bientôt.